Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au Stade Chéron pour cette 20e journée de championnat national de l'US Lusitanos qui reçoit donc Haguenau. Lusitanos qui reste sur deux victoires consécutives, de résultats positifs on va dire consécutifs, de matchs sans défaite avec la victoire 3 buts à 0 contre Mulhouse et donc ce match nul contre la réserve de Lille juste avant de rentrer dans cette rencontre. Les joueurs de Saint-Maur portaient un maillot un peu spécial pendant l'échauffement, je voudrais vous le montrer, je l'ai juste ici. Le soutien bien sûr à Moussa Mariga parce que on le sait, le club a communiqué, mais au-delà du club, il faut aussi rappeler que le racisme n'a pas sa place dans le football, que ce soit sur les terrains professionnels ou au plus bas sur tous les terrains amateurs. Et il me semblait important au club de le rappeler, à moi de le rappeler bien sûr, et de m'associer bien sûr à cette démarche du club pour souhaiter tout le soutien possible à Moussa Mariga. Voilà qui est dit, les joueurs, maintenant il faut revenir au terrain et au football et au sérieux. Les joueurs qui sont dans le tunnel, ils s'apprêtent à rentrer. On attend les joueurs de Saint-Maur. Vous allez avoir les images dans quelques instants. On attend donc les joueurs de Bernard Bougère. Voilà les joueurs d'Haguenau qui sont déjà en place. Saint-Maur donc 8e du championnat avec 23 points pardon, à 4 points d'avance sur Belfort et sur Haguenau, son adversaire du jour, sur Schiltigheim. 18 points et surtout sur la zone de relégation, 6 points d'avance donc sur Drancy, Saint-Quentin et la réserve de Lille contre laquelle les joueurs de Bernard Bougère ont fait match nul la semaine dernière. Un petit matelas, on peut respirer parce que bien sûr l'objectif en début de saison il était haut, il y a eu des hauts et des bas, des choses un petit peu positives et puis des choses un petit peu plus compliquées, des suspensions, des recrues qui ont mis du temps à s'intégrer, enfin bref, tout. Des choses qui ont fait que cette saison a été plus compliquée que prévu. Mais finalement, les choses qui rentrent doucement et tranquillement dans l'ordre. Et on devrait normalement, sauf gros accident, se diriger vers un maintien assez tranquille. Il manque officiellement, on va dire, sur les calculs mathématiques, il manque 9 points à l'US Lusitanos pour être maintenu. 3 matchs, 3 points, 3 fois 3 points à prendre, c'est largement dans les cordes de l'US Lusitanos. Même s'il y a un enchaînement un petit peu compliqué qui va arriver. On y reviendra. En tout cas, ce soir, un match contre Haguenau. Haguenau qui est une équipe quand même, pareil, un petit peu en dents de scie, capable du meilleur comme du pire. Et en ce moment, c'est plutôt le meilleur avec une victoire la semaine dernière contre Sainte-Geneviève, pourtant bien mieux classé. Mais là, c'est tout un autre match qui se dirige contre une équipe donc de Lusitanos en confiance et qui a vraiment envie de valider ses derniers résultats. C'est les discours qui ont circulé avant cette rencontre. Voilà, vraiment l'envie d'appuyer sur ces résultats positifs, de les valider, de les confirmer, de continuer à engranger des résultats, de la confiance. Et ça commence déjà par ce soir et par rester surtout fort et concentré et consistant à domicile. La consistance, c'est ce qui a souvent manqué aux joueurs de Lusitanos. C'est ce qui est pourtant arrivé, surtout il y a deux semaines contre Mulhouse. Avec cette victoire 3-0, vous avez pu le suivre en direct sur Lusitanos TV. Vous avez pu avoir également les derniers résumés sur la chaîne YouTube. Et donc, il faut surtout rester dans la lignée de ses performances. La performance à Lille qui est également positive avec ce match nul concédé dans les dernières minutes. Et il faudra enchaîner ça avec la performance de ce soir qu'on verra très vite, les deux équipes qui rentrent sur le terrain du stade Adolphe Chiron. Les deux équipes donc, le protocole en route, on va vous donner les compositions en commençant par celle de l'US Lusitanos avec le 4-4-2, 4-2-3-1 habituel hein, désormais avec Alexandre Bouchard dans le but, la défense composée de Stéphane Dassé du côté gauche, la charnière avec Guillaume Serre et Walter Viegas, le latéral droit
C'est bien sûr la recrue Fred Salem. Au milieu de terrain, à droite, Capo Silva. Le milieu de terrain, donc Christophe Autrette et Michael Gnaoré. À gauche, Damien Boudjema. Et l'attaque composée de Christian Toko Edimo et de Farid Beziwen, capitaine ce soir, qui va lui tourner autour. Et du côté d'Aguenot, Pierre Ebédé, Ousmane Silla, Marco Rosenfelder, Henri Scherer, Abdoulaye Diawara, Yann Diebold, Okena Oundrumbia, Erwan Maidi, Nigel Solvay, Nicolas Intenoche, pardon, Godfred Bekoé, Romain Metzger, qui sera donc le premier remplaçant. Vous avez donc eu le 11 de départ, et le capitaine, c'est Diawara. Et ce sont les joueurs de Haguenau qui vont laisser ce ballon dans le rond central pour Christian Toko Edimo. Position classique hein, du côté de Luis Plitano. Ça fait quand même petite surprise le retour de Capo Silva. On attendait Fred Tissé. Il sera bien sûr présent. Il est sur le banc, la recrue, avec le gardien João Barros, Thomas Da Costa, Michael Gnaoré, Filippo Kleisch et Mustapha donc Cissé. Antoine Grund qui est titulaire, j'ai annoncé Michael Gnaoré, pardon, c'est Antoine Grund hein, qui est bien aux côtés de Christophe Autrette dans le milieu de terrain. Les deux équipes sont prêtes. L'arbitre de la rencontre, Monsieur Giorgetti, s'apprête à donner le coup d'envoi dans quelques instants. Ce match doit être la confirmation pour Mabril Batista. Il faut valider le léger mieux pour Alexandre Bouchard, en tout cas. National 2, épisode 20. Le SV Thanos reçoit Haguenau. Et directement, on va chercher Toko Edimo et Damien Boudjema. Le pressing et le second ballon, il est pour Antoine Grund, même s'il y a directement une première récupération de la part de Solvay qui va accélérer et directement chercher sur le côté droit de la défense lusitanienne pour accélérer, et là c'est l'excellente intervention de la défense de Lusitanos avec Fred Salem, toujours très autoritaire, qui s'est vraiment installé dans ce 11 de départ et qui n'en bouge plus et qui fait énormément de bien. Il y a eu du turnover sur le côté droit de la défense, on a vu notamment Arnold Temanfo beaucoup, mais il y a eu des blessés, il y a eu des suspendus, et là ça fait surtout du bien du côté de Lutanos d'avoir de la constance, parce qu'il manquait de la constance dans les matchs, mais c'est un peu compliqué bien sûr sans une constance dans l'effectif. Ce qui a été trouvé depuis quelques semaines et ce qui bizarrement coïncide avec la bonne série de Luis Lutanos. On le rappelle, 3 matchs sans défaite. Et ça va être un renvoi 5m50 pour Ebédo. Alors qu'on voit Intenoche qui a décroché. Directement le pressing de Farid Beziwen et celui également de Fred Salem. C'est un Capo Silva qui était monté pour essayer de gêner la première relance. C'est ce qui a été fait. Et on va allonger. Le second ballon, il est pour Christophe Autrette. Grun. Viegas. Calmer le jeu et repartir avec Guillaume Serre. Salem qui a hésité à lancer Capo Silva. Finalement, ce ballon est récupéré par les joueurs d'Aguenau. Avec Solvay. Bien pris sur le côté. Et Capo Silva qui peut accélérer et va être obligé de temporiser de revenir parce qu'il n'y a pas vraiment de solution devant lui. Surtout le couloir qui a été très bien fermé. Il a quand même essayé de trouver Farid Beziwen. C'est bien joué, pas en position de hors-jeu, l'ancien Lodonien qui se bat. Et le second ballon va être pour Christophe Autrette. Il faudrait changer de côté là. Il y a Stéphane Dassé qui demande le ballon. Il va être certainement servi par Walter Viegas. Il y a Boudjema, il y a Grun qui ont fait un appel croisé et Grun qui va obtenir la touche. Pour l'anecdote, Antoine Grun qui a beaucoup changé de numéro et normalement ce 26 devrait être son numéro officiel. Voilà, ça devrait plus bouger pour Antoine Grun. Donc si vous voulez acheter un maillot de l'US Lutanos floqué à Antoine Grun, vous pouvez prendre le numéro 26. Cette fois-ci c'est bon. C'est justement lui qu'on retrouve
au milieu de terrain, même s'il a été dépossédé du ballon. Par Onuzumba. On s'est précipité du côté d'Aguenau. Et la touche pour Fred Salem. Capo Silva. Gros duel là. Avec Rosenfelder, l'arbitre qui signale de jouer. Et Christophe Autrette, autoritaire, qui récupère ce ballon. Il faudra écarter sur le côté gauche à Damien Boudjema, un petit peu en retard. C'est finalement Toko Edimo. Et du coup, Boudjema qui a pris sa place dans l'axe. Toko Edimo qui peut accélérer. La solution en retrait. Farid Beziouen et le jaillissement. Mais attention parce que c'est pas terminé. Gros pressing. Au contre-pressing même des joueurs de Louis-Thanos qui est payant. Antoine Gonde qui peut récupérer. Ah, c'est dommage, il s'est un peu jeté. Et il a pas pu garder le contrôle du ballon. Et Rosenfelder qui peut accélérer sur le côté gauche. Essayer de trouver Onuzurumba. Petite incompréhension. Et finalement le ballon qui va sortir en touche. C'est joué par Rosenfelder. On trouve une solution en appui. Il y a surtout dans la surface de réparation le bon mouvement de Solvet qui a été trouvé et qui a été contré par Walter Villegas. Bien cadré. Il n'a pas pu l'empêcher de tenter sa chance. Ça va donner le premier corner de la rencontre pour Aguenau. Ça va être tiré par Intenoche. Il y a du monde dans la surface, beaucoup de joueurs au premier poteau. Et des joueurs au 5m50. Et c'est tiré rentrant. Et la parade d'Alexandre Bouchard. Attentif, le portier de l'US Vitanos. Prendre l'opportunité au bout de 5 minutes de jeu et c'est pas terminé. Avec Bekoé, c'est contré. Le centre dégagé par Toko Edimo. Beziouen qui ne peut pas prendre ce ballon. Boudjama non plus. Et la frappe de Dieboud, c'est contré. Et le contré qui part. Capo Silva, il a Farid Beziouen, il n'arrive pas à le servir parce qu'il ne peut pas se débarrasser de son adversaire. Et finalement, Farid Beziouen dépossédé du ballon. Les premières grosses opportunités là. Pour Aguenau et Alexandre Bouchard attentif. Attention à ne pas être dépassé par les vagues très vite. Avec ce centre coupé par Villegas au premier poteau. Et on remonte le ballon avec Autrette. Toko peut changer de côté, va finalement passer par Christophe Autrette encore. Il va falloir être Beziouen qui demande le ballon sur le côté gauche. Bien bouché l'angle de passe. Et Beziouen qui est finalement trouvé. On a complètement changé de côté, il cherche Capo Silva. Bien joué, ça s'est remise pour Toko. Il y a du monde dans la surface de réparation, on préfère plutôt essayer de rentrer. Et finalement obligé de ressortir. Avec Das et Beziouen qui réclame le ballon sur le côté gauche. Il n'est pas servi par Walter Villegas qui passe un petit peu dans le dos de Capo Silva. Autrette. Brun. Boudjema qui a inversé pour l'instant avec Farid Beziouen qui a réussi à progresser. Capo Silva, le contrôle est bon. C'était même Fred Salem. Dassé trouve cette fois-ci son capitaine qui a provoqué sur le côté gauche, accéléré. Est-ce qu'il va réussir à mettre ce ballon dans la surface de réparation? Non, il est bien pris par le retour de Dieboud. Et le pressing d'Antoine Grun qui oblige son adversaire à allonger. Une nouvelle long ballon en direction de Farid Beziouen. Pas de position de hors-jeu, mais bien pris là par la défense. Et le dégagement surtout intéressant. Elle était trompée par le rebond. Et Walter Villegas qui peut récupérer. On s'est un petit peu mal compris avec Grun finalement. Autrette qui peut repartir. Salem. Attention au contrôle un petit peu manqué et à l'incompréhension surtout avec Capo Silva. Alors qu'on voit Dieboud s'excentrer sur le côté droit et revenir beaucoup plus dans l'axe au niveau défensif dans ce 4-3-3, alors que
Bekoé, lui, resserre dans l'axe. ...4-3-3 qui se transforme du coup en 4-4-2 en phase offensive. Serre avec Capo Silva qui peut accélérer. Il a réussi à prendre de la vitesse, il a été accroché. Ah, c'est douloureux sur ce synthétique. Est-ce qu'on va jouer ce coup franc côté Louis-Thanos ou est-ce qu'on va encore essayer d'accélérer le jeu? Non, cette fois-ci, on va plutôt tenter de le tirer. Il suffit que je dise ça pour que Stéphane Dassé hérite du ballon. Vegas. Les joueurs d'Agnos sont en train de sortir. Il faudrait vite essayer de profiter de l'avantage et de jouer vers l'avant. Finalement, on va plutôt choisir de contrôler. Pas vraiment de solution pour Walter Vegas. Les deux lignes bien resserrées du côté de Haguenau. On a quand même réussi à trouver Tocoyimo entre ces lignes. Justement, Salem qui peut centrer en direction de Capo Silva, ça va passer devant le but et sortir en renvoi 5m50, mais au bout de 10 minutes, pression mise par les hommes de Bernard Bougère. Même si pour l'instant pas vraiment de résultat, pas d'opportunité, alors que déjà un tir cadré du côté de Haguenau, ce corner tenté rentrant par une Tenoche. Oh, superbe contrôle de Christophe Autré de Gourna. Il aurait peut-être fallu essayer d'aller un petit peu plus vite, essayer d'accélérer le jeu dès la récupération, mais finalement le ballon est toujours en possession des joueurs de l'OS Louis-Thanos. Toko Edimo qui est parti un petit peu en retard, c'est la passe qui a déclenché l'appel et du coup il n'est pas au rendez-vous sur ce petit manqué là de la part de Scherer. Et le dégagement finalement. Tête de Guillaume Serre. Pied loin devant de Madini. Ça va arriver jusqu'à Alexandre Bouchard. Retrait. Avec Salem. Et Capo Silva qui se propose devant lui. Finalement, choisit d'essayer de trouver Farid Béziouen. Non, ça va arriver jusqu'à Capo Silva, l'accélération de l'ancien entraîneur de Saint-Gratien qui peut mettre ce ballon dans la boîte. La reprise de Farid Béziouen. C'est dans le petit filet. En haut 5m50, mais le premier tir de l'US Louis-Thanos à la 11ème minute de jeu. Joué, le renvoi 5m50, mais le second ballon il est pour les rouges et Antoine Grone qui a pu se retourner. Retraite, bien joué, des doublements de passe pour essayer de casser les lignes et le contrôle orienté de Farid Béziouen de Capo Silva, pas payant. Et attention à cette accélération peut-être du jeu, et bien pris par Fred Salem. Oh, ce changement de côté, il était intéressant en direction de Dieboud, mais finalement ça va profiter aux joueurs de l'US Louis-Thanos avec Damien Boudjema qui s'est vraiment réaxé. Du coup pour l'instant il n'y a personne sur le côté gauche, voilà, c'est Toko Edimo. Ça tourne beaucoup du côté de l'US Louis-Thanos au niveau offensif, entre Farid Béziouen, Damien Boudjema et Christian Toko Edimo. Pour l'instant on n'a que Capo Silva qui reste vraiment collé à son aile droite pour essayer de profiter de sa vitesse. Mais attention quand même à ces longs ballons et à ces reprises, à ses seconds ballons, à ses contres, parce qu'ils essaient vraiment de se placer entre les lignes, que ce soit Solvet ou Bekoé. Alors que le ballon est parti à l'arrière du stade Chéron, si vous le connaissez, il est descendu complètement au niveau de l'entrée de l'entrée des anciens vestiaires qui se trouvent sous la tribune. Nouveau ballon qui arrive jusqu'à Stéphane Dassé. Vegas. Avec Autrette. Serre, pardon.
Salem. Guillaume sert à nouveau. Antoine Grund qui avait décroché, il n'est pas servi ici finalement avec Viegas. Vous voyez, ça a perdu un petit peu de son impact parce qu'on est passé par Viegas. Et du coup, on a eu le temps de coulisser du côté d'Agono, même s'il y a la très bonne récupération du numéro 26. Et on a vu Farid Beziwen lui faire le signe de rester excentré sur le côté. Et finalement, Grund qui a dit à Boudjema de s'en occuper. Normalement, la consigne, c'est d'essayer de... On va dire qu'il y a deux possibilités. C'est souvent le cas dans un 4-3-3. On en reviendra plus tard parce qu'il y a peut-être cette opportunité avec Daniel Boudjema et finalement un dégagement de Schauer. Donc je disais sur un 4-3-3, on a deux possibilités. Soit ce sont les ailiers qui mangent la ligne et les milieux relayeurs qui se projettent dans l'axe. Mais sinon, l'autre option est celle de d'envoyer les deux relayeurs sur les côtés en course diagonale vers l'extérieur et de faire rentrer les ailiers. Et là, on dirait bien que ça, c'est un petit peu adapté au 4-4-2 avec Antoine Grund qui part très souvent s'excentrer sur le côté gauche pour essayer de libérer de l'espace dans l'axe à Damien Boudjema pour qu'il vienne combiner avec Farid Beziwen. Il se projette beaucoup Antoine Grund et c'est souvent, voilà, comme vous voyez, il est parti sur l'aile gauche et Damien Boudjema, que vous voyez là à gauche de votre écran, enfin vous voyez son ombre, voilà, vous le voyez sur la gauche, qui a décroché alors qu'Antoine Grund, voilà, un peu plus bas, était parti sur le côté. Ça peut être intéressant, mais il faut une très bonne coordination comme maintenant. Et la Boudjema qui avait décroché, mais il aurait peut-être fallu le servir. Ouh, attention là, Madini. Il y a des choses qui sont intéressantes proposées au niveau des appels, mais pour l'instant, ils ne sont pas utilisés. Parce que là, pour l'instant, ce qu'on a voulu mettre en place comme schéma, c'est un joueur qui décroche pour aspirer la défense pendant qu'un autre part dans le dos. Sauf que bah, c'est pas exactement cette, entre guillemets, combinaison qui avait été employée cette fois-ci. C'était plutôt d'essayer de chercher les côtés en envoyant un joueur décrocher et son milieu relayeur pour perdre un marquage individuel, l'envoyer sur l'aile. Il faut se mettre d'accord. Et là, ça a été fait. Farid Beziwen qui a essayé de trouver Capo Silva à ses côtés. Voilà, quand il y a une bonne coordination entre non seulement les deux joueurs qui font l'appel, mais aussi le passeur, ça se passe beaucoup mieux parce que il peut y avoir la meilleure coordination au niveau des appels si jamais la passe utilise une autre tactique. Bah, ça ne fonctionne pas. Et inversement, hein, la passe peut être parfaite si jamais il n'y a pas de coordination au niveau des appels. Soit le joueur ne va pas être trouvé, soit il va l'être complètement enfermé parce que la défense aura bien pu le suivre. C'est toutes ces choses qui doivent se passer en même temps et bien se passer pour qu'une action soit réussie. Et là, ça a été le cas. On a pu trouver Christian Tocquenimo, même si il est enfermé. Et là, voilà, c'est là. C'est là, cette passe-là qui est déterminante. Christophe Autrette, dans le milieu de terrain, essaie de le trouver. Et c'est lui qui doit accélérer le jeu. Alors, c'est super le contrôle de Christian Tocquenimo. Et là, le crochet, il est beau aussi. Le crochet extérieur maintenant. C'est dommage, il s'est un petit peu emmêlé. Mais Autrette qui va récupérer la frappe de Christophe Autrette. Et Bédo qui se couche. Deuxième tir cadré pour les Lusitanos, 17ème minute de jeu. Ah, c'est bien joué. Sérénité de Guillaume Serre. Viegas, c'est là qu'on voit que l'US Lusitano c'est une équipe quand même en confiance sur ses dernières prestations. Toute la sérénité dans la défense et aussi de la sérénité offensive dans le sens où ce qu'a pu tenter Christian Tocquenimo c'est le signe d'un joueur en confiance. Dassé devant à la course. Bouchard qui va peut-être avoir un petit peu de mal. Il a finalement voulu rejouer avec Stéphane Dassé. Qui ne peut pas. Si, il a réussi à empêcher ce ballon de sortir. Et essayer d'allonger le long de la ligne. Il n'y avait pas vraiment de solution. Bien joué Farid Beziwen qui est passé devant son adversaire direct. Boudjema a pu écarter sur Fred Salem. Le décalage, il est fait. Maintenant, il faut en profiter. Il y a notamment Christian Tocquenimo qui a décroché. On a pris peut-être un petit peu de temps. On a réussi à le servir. Il y a surtout un défenseur qui a glissé. Oh, la passe, elle est pas bonne. Pour Capo Silva, c'est pas terminé. Christian Tocquenimo qui va essayer de remporter son 2 contre 1.
Est-ce qu'il va réussir à gagner quelque chose? Une touche, un corner ou peut-être mieux. Il a réussi surtout à trouver Fred Salem qui est monté, qui va tenter la frappe. Ça passe devant le but de Wono et Bedo. Il y avait peut-être un petit peu mieux à faire. Mais en tout cas, le danger encore une fois sur la cage du portier d'Haguenau. La tête de Solvet, celle de Fred Salem, celle de Groen, il faut mettre ce ballon au sol et c'est fait mais par un joueur d'Haguenau. Même si Salem qui a récupéré, a contré par Christophe Autret. Peut-être enfin une action construite pour les joueurs d'Haguenau avec ce ballon sur le côté droit. On va tenter la FAP, non c'est un centre. Ouh, c'est pas passé loin là. Donou Zurumba, ce centre de Silla. C'est pas terminé, le ballon finalement bien capté par Alexandre Bouchard et on peut repartir. Est-ce qu'on va tenter le contre? Il y a seulement 4 joueurs de l'Utanos, mais il y a Farid Beziwen et Damien Boudjema qui remontent à toute vitesse pour réclamer le ballon. Très bonne remontée de la défense d'Haguenau au niveau de la ligne médiane qui a coupé complètement la course des deux attaquants de l'Utanos, obligés de s'arrêter pour ne pas être en position de hors-jeu. Et on repart finalement sur une construction plutôt tranquille. Essayer de faire bouger ce bloc. Très compact pour l'instant. C'est pour ça que les permutations vont être intéressantes et importantes. Et les accélérations de jeu également. Parce que trouver des espaces entre les lignes, c'est bien, mais il faut les utiliser. Et bien les utiliser, et pour l'instant c'est là que ça pêche un petit peu du côté de Lusitanos. Et ne pas se faire surprendre par ces longs ballons dans le dos. Mais pour l'instant, très attentif. La défense de Saint-Maur et Walter Viegas. Appel de Farid Beziwen. On va essayer de le trouver par une passe extérieure et remporter son duel. Face à Scherer, pas forcément très serein le défenseur central d'Haguenau. Ah, bien joué Stéphane Dassé qui remporte son duel. Et là, on ne se pose pas de questions pour Diawara. Long dégagement qui va finir en touche. Dassé. C'est pris de la tête. Bon pressing dans un Groen. Sur une Tenoche. Une Tenoche qu'on trouve très peu hein, dans le jeu. Au milieu de terrain. Qui est très souvent sauté du côté de d'Haguenau. Et là c'est lui qui a essayé justement de sauter ce milieu pour accélérer. Viegas qui remporte son duel. Et qui gagne même la touche. Toko, Groen, il faut se sortir de ce marquage là, c'est bien fait pour Anton Groen, s'appuie sur Boudjema, Dassé, bien joué la proposition de Damien Boudjema, le contrôle en direction de la ligne de touche, pas forcément le mieux à faire, ah Anton Groen, c'était très bien fait de la part de Toko Edimo, voilà justement on parlait de ces intervalles, de ces espaces, mais Anton Groen qui s'attendait pas forcément à recevoir le ballon, en tout cas pas tout de suite, il attendait peut-être de faire un appel en profondeur. Et attention à cette petite mésentente là qui va peut-être profiter aux joueurs d'Haguenau. Le centre fort devant le but et le retour de Guillaume Serre. Et nouveau corner pour Haguenau. C'est Rosenfelder qui va s'en charger. Le gaucher pour mettre ce ballon rentrant. Encore une fois, comme vous le voyez, deux joueurs au premier poteau, un au deuxième et deux en entrée de surface.
C'est tiré fort, encore une fois la claquette d'Alexandre Boujard. Et est-ce que ce ballon était déjà sorti avant que le portier ne le contre ? Non. Nouveau corner. Faut qu'il reste attentif. Lance un gardien du Paris FC, Denieur. C'est parti encore une fois, c'est dans les 5m50, c'est capté par Bouchard. Quelle solution, Capo Silva qui va essayer de le trouver très rapidement. Il peut peut-être être aidé par le rebond du terrain synthétique. Ah non, ça a joué en sa défaveur cette fois-ci parce qu'il est parti vers l'extérieur. Mais la super récupération, Daniel Boujema qui peut accélérer, entrer dans la surface de réparation, le crochet extérieur. Il y a Farid Beziwen, mais il était bien pris. Christophe Autrette qui ne va pas tenter la frappe, il aurait peut-être pu, le numéro 29. On va finalement calmer le jeu avec Fred Salem. Boujema qui se propose encore, Autrette également. C'est lui qui a trouvé le milieu de terrain. On va calmer le jeu avec Salem, essayer de l'accélérer à nouveau. Et Autrette qui ne peut se saisir du ballon, qui rebondit sur l'extérieur du genou. C'est dommage là, entre guillemets, mauvais choix fait par Capo Silva en se mettant à l'extérieur. Enfin, c'est d'abord mis à l'intérieur justement, alors que le ballon allait rebondir vers l'extérieur, ce qui lui a empêché de disputer vraiment ce duel au rebond, même s'il a finalement récupéré dans les pieds de son adversaire direct. C'était une petite seconde trop tard, et la seconde qui a suffi aux joueurs d'Aguenau de se recentrer, de revenir et de bloquer Damien Boujema. Et là, encore une fois, une mésentente du côté d'Aguenau. On n'arrive pas vraiment à se trouver collectivement pour Aguenau. C'est vraiment essayer de trouver les deux attaquants, le but. L'un des deux sur un long ballon en point de fixation. Et d'orienté après sur les côtés. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas parce que la défense de Lutano c'est très attentive. Et soit parvient à bloquer le premier ballon, ou au moins être efficace sur les seconds ballons. Et du coup, il n'y a aucune possibilité de conserver et d'orienter du côté d'Aguenau. Et Bouchard qui va allonger. On va voir justement si du côté de Lutanos, on arrive à être un peu mieux sur ses seconds ballons. Et voilà, là c'est Christophe Autrette. Et donc on peut tout de suite lancer quelque chose. Même si c'est plutôt une conservation de balles. C'est vraiment ce schéma qu'il faut essayer de trouver quelqu'un au milieu de terrain. Mais surtout, le plus important dans ce genre de ballon aérien, c'est le second ballon. Puisque c'est lui qui permet de décider ou non de l'action. Et très souvent, lorsqu'on a un déficit athlétique, comme c'est le cas notamment pour Walter Viegas par rapport à Solvet, il faut essayer de le compenser en étant plus intelligent et en se focalisant sur ce fameux second ballon, parce que c'est quasiment impossible de contrôler un long ballon aérien quand il vient de son gardien ou de sa défense. Le but, c'est voilà, de savoir qu'est-ce qu'on en fait après. Et souvent, c'est une remise de la tête. Et donc, le but dans ce cas-là, c'est vraiment de couper toutes les solutions, toutes les lignes de passe. Pour empêcher, non pas d'avoir le premier ballon, mais de se saisir définitivement et d'en faire quelque chose. Grone s'appuie sur Beziwen, qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment. Il a réussi voilà, à conserver ce ballon et à se retourner. Surtout, Farid Beziwen, là, il en fait peut-être un petit peu trop. Il faudrait ressortir. Il a pris tout son temps pour ressortir Farid Beziwen et pour essayer de fixer au maximum. Serre, Salem, Toko qui a décroché. Une petite talonnade pour Salem. Le long ballon vers Farid Beziwen, c'est bien joué, la reprise. Ouh, elle passe pas très loin à côté du but. Mais de la spontanéité, de la vitesse d'exécution, c'est ce qui a permis à Farid Beziwen de tenter cette frappe. 28ème minute de jeu, toujours 0-0 entre les deux équipes.
Bien joué. C'est l'interception de Christophe Autrette et heureusement qu'il y a faute. Parce qu'il y avait eu une belle intervention également du côté d'Aguenaud. Qui aurait pu lancer quelque chose. Le coup franc qui va être joué rapidement. Dass, il ne faut pas se manquer sur le contrôle. Il faut surtout trouver Anton Grun. Boudjema. Il y a Dass à ses côtés. Il n'y a personne là sur le côté pour pouvoir orienter et ouvrir le jeu. Il faut revenir complètement vers l'arrière. Avec Serre. Il y a Autrette dans le cœur du jeu, il va plutôt essayer de trouver un point de fixation un cran plus haut. Et Antoine Grund, c'est bien joué, il a réussi à se retourner, il arrive à décaler sur le côté droit, c'est imprécis. Et attention parce que là on est un petit peu en retard sur les récupérations et sur le pressing et ça permet de lancer sur le côté droit la montée de Dieboud. Qui va mettre ce ballon dans la boîte et Viegas qui contrôle de la poitrine alors que Alexandre Bouchard était sorti. Finalement ce ballon qui ne sort pas et c'est parfaitement géré cette sortie de balle par les joueurs de Louis Thanos. Mais pas de faute sur Damien Boudjema, le jeu qui se poursuit. Il faut sortir de là, il faudrait aérer, ouvrir le jeu. Il y a des solutions de l'autre côté, voilà. Temporiser, trouver Viegas, bien joué. C'était pas évident de sortir de là sans dommage et sans envoyer un long ballon en touche. Ça a été parfaitement joué et ça surtout lance. Pourquoi pas Capo Silva. Et bonne intervention de Rosenfeder. Et l'accélération, attention parce que là il y a une supériorité numérique pour les joueurs d'Aguenaud. On va pouvoir entrer dans la surface de réparation et pas de faute de Fred Salem. Le jeu qui se poursuit. Et il faut continuer à jouer alors que un joueur d'Aguenaud reste au sol. Donc on va finalement sortir ce ballon. On peut revoir l'action, non ? Et un carton jaune donné à l'arbitre. Donné par l'arbitre, pardon. On revoit l'action. À Onuzurumba pour protestation. On va faire appel au soigneur. Se plaindre un coup sur la cheville. Sur l'arrière du pied pour être précis. Et Bekoé qui avait donc été très bien lancé. Très bonne transition effectuée par les joueurs d'Aguenaud avec cette récupération haute. Et heureusement pour Saint-Maur, le très bon retour de Fred Salem sur Bekoé. Qui va être obligé de sortir. Et la touche, oui, la touche est pour Agno, il va falloir rendre ce ballon. Il faut d'abord rendre le ballon à Rosenfelder. Parce que, voilà, c'est sorti un peu plus haut. On va reprendre le jeu. Et Madini, il va rendre ce ballon à Alexandre Bouchard. Voilà, petite interruption, il faut se remettre dans le rythme du match. Bien géré pour l'instant par le Thanos. Même s'il manque de précision dans le dernier geste. Boudjema, Autrette. Il a voulu prendre son temps. Plutôt que d'orienter directement vers Capo Silva. Où est Salem? Le ballon arrive jusqu'à l'ancien dentiste. Ah. Mise en tente avec Farid Beziwen qui s'excuse. Et Bekoé qui est revenu sur la pelouse. Cherche une solution pour Ebedo. On va finalement allonger. Attention, on avait été trompé par le rebond. Le ballon en possession d'un joueur d'Aguenaud dans la surface de réparation. Et toujours pas de pénalty. Toujours un excellent retour de Fred Salem pour la deuxième fois. Et le contre, pourquoi pas trouver Damien Boudjema. Le rebond qui encore une fois profite à l'attaque et au joueur de Louis Thanos. Non. Silla qui a été attentif.
Alors qu'on se tord à nouveau de douleur dans la surface de réparation de Saint-Maurice-Litano, c'est encore Bécoé. Le duel entre Salem et Bécoé, épisode 2. C'est à la précision de l'arbitre qui estime donc que la couverture de balle du joueur de Saint-Maur était licite. C'est toujours la question de savoir est-ce qu'il a, à quel point il a joué le ballon, à quel point il a voulu jouer le joueur, c'est son intention aussi. C'est un peu toujours des situations qui sont compliquées à gérer, d'autant que l'arbitre était derrière l'action. Et la touche avec Grun, il s'est relevé Bécoé. Béziwen, Grun. Ah, Boudjema qui est un petit peu en retard dans son appel et finalement Grun du coup qui peut percer et accélérer sur le côté gauche. Bon duel et bonne récupération de Silla. Renvoi au 5m50. Mouvementé cette première période, même si finalement très peu d'occasions franches. 3 tirs, un seul cadré pour Saint-Maur, un seul tir, un cadré. Du côté d'Aguenaud, c'était ce corner direct tenté par une Ntenoch à la 5ème. Du côté de Saint-Maur, on a vu Farid Béziwen prendre sa chance. Salem également, et encore Béziwen, mais c'était seul tir cadré était le fait de Christophe Autrette. Ah, mauvais contrôle de Dacé. Il y a 10 minutes de la pause. Aguenaud qui donne l'impression de résister tout en ayant vraiment des choses à tenter sur des longs ballons, sur des accélérations, des jeux de transition avec des récupérations hautes ou au moins des ballons très rapides. Il faut rappeler quand même que c'est une équipe qui compte 19 points et sur ces 19, ils en ont pris 18 sur les 10 derniers matchs. Donc c'est une équipe qui a des ressources. Une équipe qui a la solidité nécessaire aussi. Faire 0-0 à Sedan. Une équipe qui sait exploiter les bons coups. Et qui prend des buts également, 20 buts marqués, 29 encaissés. Là où le bilan est parfaitement équilibré du côté de Saint-Maur, 22 buts marqués, 22 buts encaissés. Attention à ce ballon dans la surface, ouais, c'est une petite main, surtout une position de hors-jeu de la part de Dieboud. Là c'est Autrette qui est décroché, qui est descendu très bas pour orienter le jeu sur Guillaume Serre. Grun qui touche énormément de ballons, Antoine Grun, c'est vraiment la plaque tournante du milieu de terrain. On a plutôt l'habitude de voir Christophe Autrette. Là, Autrette qui est vraiment seulement une rampe d'orientation au niveau un peu plus bas que d'habitude, dans sa moitié de terrain ou dans le rond central. Et c'est Antoine Grun qui s'occupe vraiment de gérer la partie entre guillemets offensive du milieu de terrain. Avec plus ou moins de réussite pour l'instant. Ah, bien joué Damien Boudjema, fallait pas se manquer même si la remise est un petit peu aléatoire. Oula, faut pas se tromper. Et Dacé qui va revenir jusqu'à Bouchard. Voilà, sur Antoine Grun. Ouais, obligé de faire ça, de prolonger. Le ballon qui n'est pas sorti. Et ce centre, on a vu le raté. Attention avec ce ballon qui est récupéré, qui est repoussé par Alexandre Bouchard dans les pieds de Solvet. Et je le disais, c'est une équipe opportuniste cette équipe d'Aguenaud, elle le montre cette fois-ci.
en marquant le premier but du match à la 39e minute de jeu. Deuxième tir seulement pour les joueurs d'Haguenau. Deuxième cadré, le premier était à la 5e minute. Il a fallu attendre près d'une demi-heure avant de les voir à nouveau dangereux. Mais la seule fois où ils arrivent à mettre en danger Alexandre Bouchard, ça finit au fond. Alors on les avait vus, bien sûr, il y avait ces deux situations litigieuses dans la surface de réparation. Il y avait déjà eu des centres un petit peu dangereux. Cette fois-ci, Solvet qui avait manqué le ballon. Il y avait quelqu'un en second poteau, Bouchard qui plonge dans ses pieds, qui ne peut que le repousser. Et Solvet, attentif, opportuniste, pour mettre ce ballon au fond du filet. Et là maintenant il faut réagir du côté de Saint-Maur. Jusqu'ici on contrôlait tranquillement le rythme de la rencontre en accélérant un peu quand on le voulait. Là maintenant il va falloir être beaucoup plus incisif dans les actions. Une réaction avant la pause serait clairement bienvenue. Mais il faut être beaucoup plus précis et beaucoup plus tranchant, beaucoup plus incisif. Parce que pour l'instant, ça ronronne du côté de Saint-Maur. Attention à ne pas être puni encore une fois avec cette touche. On va finalement laisser le ballon à Rosenfelder. C'est-à-dire qu'il dégage. Boudjema, est-ce qu'il va réussir à disputer ce ballon? Oui, il va même le récupérer avec un petit peu de réussite. Même Boudjema a réussi à se retourner, à essayer de lancer Capo Silva. Il va très vite. Capo Silva réussit à récupérer ce ballon. Il y a Autrette. Il faut le donner. Il faut le donner à Christophe Autrette. C'est beaucoup trop tard et beaucoup trop de tergiversation là pour Capo Silva. Il y avait beaucoup mieux à faire. Grun. Avec Serre. Il y a l'appel de Stéphane Dassé, il va être servi, il faut réussir son contrôle, c'est fait. Il faut des solutions. Il faut Antoine Grun avec un petit portant dans son appel, c'est Autrette qui était obligé de prendre sa place, il est finalement servi. Et s'il est en retard sur Farid Beziwen. Ça va donner un bon coup franc avec le bon pied de Christophe Autrette. Et les joueurs offensifs de tête dont dispose l'US Saint-Maur Lusitanos, avec notamment Walter Viegas, il y a Christian Toko Edimo qui a marqué la tête également il y a deux semaines. Il y a Guillaume Serre. Ah, c'est pas ce ballon qui ne décolle pas. On a quand même failli le récupérer au premier poteau de la part de Guillaume Serre justement. Et attention au contre. Grun qui est présent, mais le ballon encore une fois pour Haguenau, récupération Farid Beziwen, on a joué que le ballon. Et Christian Toko Edimo qui peut partir. Il y a la solution Capo Silva à trouver dans la surface de réparation, bien chassé, très bien chassé même. Et ça ne va pas partir avec Rosenfelder. Ah, il est bien, il est bien, il est surtout très seul et il a signalé en position de hors-jeu. Ça s'est joué à pas grand chose là pour Dieboud. Faut être beaucoup plus attentif que ça du côté de Lusitanos. Parce que ce contre qui aurait pu être vraiment fatal si jamais Dieboud était en position licite. Ce ballon qui est sorti. Longue touche en direction de Toko qui n'a pas réussi à contrôler, mais Capo Silva qui peut pousser ce ballon accéléré. Ça n'est pas sorti, le centre fort devant le but. Contrôle de la poitrine et dégagement de Scherer. Rosenfelder qui allonge. Tête de Guillaume Serre. Le pied de Stéphane Dassé, celui de Grun. Il y a Boudjema qui s'est écarté.
Il est servi, le contrôle est bon. On revient sur Dacé, Groen encore, c'est bien joué. Il y a Béziouane qui demande le ballon, il y a surtout Capostil va peut-être retrouver sur le côté droit. On passe par Christophe Autrette et réussir à trouver Capostil va justement dans l'intervalle. Le centre est fort devant lui pour Antoine Groen, le pied du pied qui est manqué. Le plat du pied manqué par Antoine Groen, c'était vraiment là l'énorme opportunité. C'est pas fini, le centre dans la surface de réparation, repoussé, Boudjema, Béziouane, Boudjema encore, bien pris, Autrette qui est servi cette fois-ci, le plat du pied qui passe à côté du but des Bédo. Grosse pression mise, mais toujours pas d'opportunité, toujours pas de tir cadré surtout. Quatrième tir pour Saint-Maur. Cinquième si on compte le manqué d'Antoine Groen. C'est dommage parce que Antoine Groen qui se donne beaucoup depuis le début de cette rencontre. Très utile, très actif dans ce milieu de terrain. Le plat du pied complètement manqué. Qui est pour l'instant ce qu'on retiendra malheureusement de sa prestation. Alors qu'on va rentrer dans quelques secondes, dans une quarantaine de secondes, dans le temps additionnel minimum de cette première période. Dominé dans les grandes largeurs par Saint-Maur. Et pourtant mené au score. Pourquoi pas réagir juste avant la pause avec Toko Edimo. Dacé. Il y a beaucoup d'espace là. Les lignes sont un peu distendues côté Haguenau. On est beaucoup moins attentif, beaucoup moins sérieux dans le placement. Et ça permet ce genre de diagonale vers Capo Silva. Il a Groen encore en retrait. Et surtout l'exploit individuel. Pourquoi pas Capo Silva a tenté de centrer ce ballon qui est contré deux fois. Et ça va être un renvoi à 5m50. C'était peut-être la dernière opportunité de la première période. Je n'ai pas vu Monsieur Giorgetti annoncer le temps additionnel au délégué de la rencontre. Il y aura quand même une petite minute parce qu'il y a eu des arrêts de jeu. Et ce long ballon qui arrive jusqu'à Alexandre Bouchard alors que du côté du banc d'Aguenon on se plaint d'un contact. Voilà, une minute, on est déjà bien entamé, ce temps additionnel minimum. C'est la dernière opportunité avec Groen. Toko. Il faut jouer vers l'avant, il faut jouer vers l'avant. Vigas. Serre. Bien enfermé sur le côté, il faut essayer de trouver un décalage. Ça a été le cas par Capo Silva qui est passé devant son adversaire. Mais qui ne réussit pas à s'emparer du ballon, la touche va être pour Haguenau. Et ça va être surtout la fin de la première période. Le Slovidanos qui a contrôlé les 35 premières minutes. Qui a été surpris par ce but de Solvet. Et qui finalement a essayé de mettre un peu de folie dans ces 5 dernières minutes sans pour autant réussir à trouver la faille. Mais c'est peut-être cette folie et cette intensité mise dans les 5 dernières minutes de la première période qui seront à reproduire en seconde période pour essayer de faire changer ce résultat. Espérer un résultat favorable. En tout cas, on va vous donner les scores à la pause de cette 20e journée de National 2 avec Lens qui mène 2-0 contre Croix. 2-0 également pour le Sporting Club de Bastia. Contre Belfort, un but partout entre Sainte-Geneviève et Sedan. C'est terminé 0-0 entre Schiltigheim et Reims. Même score entre Bobigny et Mulhouse et entre Épinal et Lille. Et 0-0 également entre Saint-Quentin et Drancy. Drancy qui a raté un pénalty. Voilà les joueurs qui rentrent au vestiaire. On va faire une petite pause d'une dizaine de minutes. Et on va se retrouver pour la seconde période qu'on espère plutôt conforme à ce qu'on a vu sur les 5 dernières minutes de la première. Allez, un petit peu de spectacle quand même. Puis surtout des buts pour Saint-Maur-Lutanos. On se retrouve dans une dizaine de minutes. A tout à l'heure.
De retour au Stade Adolphe Chéron où Haguenau mène 1 but à 0 contre l'US Lusitanos. Voilà le bon scoreboard qui s'est mis en place. Et donc premier changement, voilà, on voulait voir la réaction du côté de Saint-Maur. Et ben, elle arrive très vite avec l'entrée de Fred Cissé à la place de Capo Silva. Capo Silva qui a porté par sa vitesse et sa percussion mais qui a vraiment manqué de précision et d'intérêt. Il a manqué de faire les bons choix, surtout de la part de Capo Silva dans l'avant-dernière passe ou la dernière passe. Là où Fred Cissé a montré il y a 2 semaines qu'il était capable de faire les bons choix dans les derniers gestes et notamment dans les 30 derniers mètres. Avec cette frappe, superbe but qu'il avait mis contre Mulhouse. Et donc le premier changement effectué par Bernard Bougère avant de commencer cette seconde période. Il y a eu un changement sur le terrain, on attend maintenant de voir s'il y a eu aussi un changement dans l'agressivité, dans la volonté d'aller vers l'avant du côté des joueurs de Saint-Maur, ce qui a un petit peu manqué. On a un petit peu trop contrôlé en première période, ce qui a permis à Haguenau de mettre en place ses pions et ses contre-attaques. Et donc de marquer le premier but par Solvet à la 39e minute. A noter du coup qu'avec l'entrée de Fred Cissé, il s'est installé sur le côté gauche. Damien Boudjema sur le côté droit et pour l'instant Farid Beziwen dans l'axe. On sait que ça peut beaucoup bouger du côté de Saint-Maur, on l'a vu en première période. Et Fred Cissé qui était plutôt sur le côté droit il y a 2 semaines. Mais ça peut tourner. Ça va certainement bouger de toute façon, on le sait que ça permet beaucoup dans l'attaque de Saint-Maur. Et la touche avec Fred Salem, cherche Toko, dégagé par Diawara. Le second ballon il va être en faveur des joueurs d'Haguenau. Il a peut-être fallu mettre le pied là devant l'attaquant et c'était fait par Damien Boudjema qui peut repartir. Il y a la solution Stéphane Dassé sur le côté gauche. Beziwen est devant lui, il appelle contre-appel qui a fonctionné pour l'instant pour le capitaine londonien. Est-ce qu'il va réussir à toucher ce ballon en premier? Oui c'est fait, il peut percuter maintenant. Ah, il est entré dans la surface de réparation et Beziwen qui frappe, c'est contré, pas de main et la reprise d'Antoine Groen. Qui passe à côté. C'était Fred Cissé pardon qui a percuté sur ce côté gauche. Mais la frappe d'Antoine Groen, la première de la seconde période qui passe au-dessus du but. Antoine Groen qui s'est distingué par son activité en première période mais aussi par son manque de précision. Cette frappe-ci a été plus difficile, plus spontanée. Elle est retombée, attention avec ce bon ballon, il y avait Toko Edimo à trouver, il y a surtout Farid Beziwen dans la surface de réparation qui a été poussée clairement. Mais ça va être la position de hors-jeu de l'ancien de Fleury qui va être signalé par l'arbitre. Il y avait peut-être un autre choix à faire pour Damien Boudjema, il y avait Christian Toko Edimo, il s'est servi de l'appel de l'ancien Caladois. Mais finalement, vu le résultat, il aurait peut-être dû le servir. Et faut se méfier aussi de la part de Diawara parce que là ce geste était très mauvais sur Farid Beziwen, le coude dans le dos. Après est-ce qu'il avait vu le drapeau se lever, c'est la question, mais en tout cas c'est un mauvais geste. Et Fred Cissé qui est reparti sur le côté gauche, il y a Toko au centre, Cissé qui va réussir à contrôler, il y a Beziwen qui arrive en courant, il y a Boudjema en retrait, Fred Cissé qui va plutôt y aller tout seul et servir finalement Damien Boudjema, le contrôle est bon et la frappe va s'envoler. Le rebond mal anticipé pour Damien Boudjema qui a marqué son premier but la semaine dernière contre Lille. Il ne réitérera pas, en tout cas pas tout de suite. Le duel remporté par les Alsaciens, mais le second ballon, il va être pour retraite. Vigas qui allonge, on va chercher Fred Cissé, on va trouver la tête de Scherrer.
Brun avec Boudjema. Meziwen. Mettre ce ballon dans la boîte, il y a Christian Toko Edimo. Sans repousser de la tête. Mais ce ballon qui va sortir. Oui. Il a passé la ligne. Malgré la grosse course. De nouveau Zurumba. Retraite. Ressort. Avec Serre. Ligas. Lassé. Appuie sur Grun. Doge a réussi à se retourner. Il y a Autrette à ses côtés. Il y a aussi la solution sur le côté gauche. Stéphane Dassé qui est servi. Va accélérer. Il y a du monde au centre. Le relais a été trouvé avec Grun. Cissé. Il y a Boudjema. Il faut essayer de trouver sur le côté droit. On va passer par Christophe Autrette. Et finalement, Cissé sur ce côté gauche avec Boudjema. Grun, Autrette, c'est bien là. Il faudrait désormais écarter. Ouvrir le jeu. C'est fait avec Serre. Salem. S'appuie sur Christian Toko Edimo. Le contrôle orienté est bon. Il faudra se servir de ces décalages créés pour essayer d'accélérer le jeu maintenant. Viegas. Décalage avec Salem. Le centre vers Farid Beziwen et vers Toko Edimo. Finalement, c'est capté par Ebedo. Qui dégage loin devant. Il y a Vigas qui remporte son duel. Bien joué Cissé. Salem, Grun qui a été pris. Le double contact manqué. Par Bekoé, le jeu se poursuit. Gros duel, voilà, il fallait ressortir de là. C'est bien fait par Antoine Grun. Et Guillaume Serre avec Viegas. Et Christophe Autrette finalement. Voilà, il faut désormais accélérer le jeu. Et c'est ce que tente de faire Christophe Autrette par cette accélération. Même si on a été bien pris de la part de Stéphane Dassé. Grun. Il faut écarter, il y a Salem, il faut lui mettre le ballon ou alors se servir de son appel pour trouver Béziwé entre les lignes, c'est bien joué. Il y a Boudjema à ses côtés. Passement de jambe. Il y a la solution 6, c'est sur le côté gauche, on va passer d'abord par Stéphane Dassé. Moustapha Cissé, l'appel, et la passe est bonne. Le contrôle, il est également la percussion et le centre désormais pour Antoine Grun. La remise là, c'est dommage, elle rebondit un petit peu trop pour Christian Toko Edimo qui a réussi à contrôler, à se retourner, il marche un petit peu sur le ballon, il peut accélérer. Et c'est finalement repris et dégagé par Dieboul. Autrette. Il y a plus d'intensité mise par les joueurs de Saint-Maur. C'est, voilà, c'est vraiment ce qui manquait en première période, cette intensité, ces courses. Parce que là, on aurait pu suivre très longtemps les mouvements des joueurs de Saint-Maur en première période. Là, voilà, ça va être beaucoup plus impactant physiquement pour les joueurs d'Aguenau qui pour l'instant réussissent à bien fermer les espaces. Mais qui ne vont certainement pas y parvenir toute la seconde période. Il y a bien un moment où un trou va se faire, où on va être un petit peu moins sérieux sur un marquage. Et c'est là qu'il faudra frapper fort du côté de Saint-Maur. Autrette, bien joué. C'était pas évident. Cette passe a réussi à s'en sortir avec Guillaume Serre. Boudjema, le contrôle en hanté est bon. Pas vraiment de solution pour lui, obligé de repartir par Christophe Autrette. Et là, il faut se servir de ce qu'il vient de faire et du bloc qu'il vient de décaler complètement. On va mettre ce ballon dans la boîte. Grun a réussi à se retourner. Pas de position de hors-jeu pour Moustapha Cissé. Qui a réussi à s'arracher pour trouver Boudjema. Là, il y a du monde dans la surface de réparation. Damien Boudjema qui va centrer au second poteau. Farid Beziwen qui n'y a pas cru. Et le ballon qui passe devant le but. Encore une fois, un beau mouvement des joueurs de Saint-Maur. Ebedo qui dégage. C'est pris à deux fois Rosenfelder pour essayer de trouver Solvet. Finalement, c'est Guillaume Serre qui, avec plein de sang-froid, peut remettre Alexandre Bouchard. Serre.
Retraite qui a décroché, qui est suivi. Bien fait de ne pas lui avoir mis et d'avoir trouvé plutôt Walter Viegas. Parce que là, du coup, les lignes sont complètement distendues du côté d'Aguenau. Et Christian Toko Edimo qui peut se saisir du ballon, hein, se retourner, pas de faute. Le jeu qui se poursuit avec Mustapha Cissé qui s'est sorti un petit peu du traquenard avec difficulté et qui finit par commettre la faute. Qui allonge Lassé qui va contrôler jusqu'à la sortie en touche. Grun allonge. On essaie peut-être de trouver Mustapha Cissé, mais le second ballon il y a en tout cas pour les joueurs de Saint-Maur. Béziouen, c'est un petit peu dans le dos pour Boudjema qui réussit à trouver Fred Salem. On cherche Farid Béziouen, on ne le trouve pas. Qu'on va gagner la touche, non. Donc il n'a pas été touché par par Diawara. Rosenfelder qui va pouvoir jouer la touche. Bien joué, le bon pressing de Christophe Autrette qui peut récupérer. C'est bien fait là, avec Toko Edimo. Il y a Mustapha Cissé, on n'arrive pas à le trouver. Autrette qui va tenter une deuxième fois de chercher l'ailier. Le contrôle est bon. Maintenant il faut rentrer dans la surface de réparation, percuter, superbe intervention. Très beau retour là de la part de Dieboud. Qui peut lancer le contre. Et attention parce qu'on est bien sorti du côté de Saint-Maur. Mais superbe retour d'Antoine Grun. Et Viegas. On pourrait partir de l'autre côté avec Dassé. Retraite qui demande à Fred Salem de s'écarter, de manger la ligne pour ouvrir le jeu, décaler ce bloc. C'est chose faite désormais avec Grun. Salem encore, bien joué. Farid Béziouen, Grun. Là il y a un décalage qui a été fait, on n'arrive pas à en profiter parce que pas assez de spontanéité du côté d'Antoine Grun. Ça a permis à tout le bloc d'Aguenau de se replacer. Même si le ballon était récupéré finalement, le très bon contrôle de Mustapha Cissé, Antoine Grun, il y a des possibilités maintenant entre tirage de réparation et le retour sans faute de Rosenfelder. Et attention à ce ballon dans le dos, bien anticipé, bien lu et très bien compris par Guillaume Serre. Cissé qui a été bien pris. Et Dieboud qui peut accélérer, il est passé Dieboud. Il y a un appel dans le dos et Walter Viegas qui couvre parfaitement. L'appel est bon de Toko Edimo, le contrôle est bon également, mais ils ont signalé en position de hors-jeu. Par l'assistant de Monsieur Giorgetti. Manque encore un petit peu de justesse, pas forcément technique, mais dans les timings du côté de Saint-Maur. Parce que tout le reste, c'est plutôt bon ce qu'il montre dans les choix, dans l'intensité mise, dans la volonté d'aller vers l'avant. Mais c'est toujours une demi-seconde trop tôt, une demi-seconde trop tard. Il faut être plus juste que ça et pourquoi pas maintenant dans ce centre avec Fred Salem au second poteau. Oh. Pas de risque pris par Silla qui met ce ballon en corner, le premier de la rencontre pour Saint-Maur. Et ça va être bien sûr pour Autrette. Il y a deux semaines, Saint-Maur avait marqué sur corner, sur une tête de Walter Viegas. C'est ainsi qu'ils avaient débloqué la situation contre Mulhouse. Cette fois-ci, le corner a tiré au premier poteau sur Viegas. Bien gêné. Nouveau corner. Malgré les protestations de Diawara, c'est bien lui qui a touché ce ballon. Et Autrette qui peut tirer à nouveau. C'est bien mieux tiré cette fois-ci, mais c'est capté.
par Ebedo. Ah, bien vu, Fred Salem. Attention par contre, parce qu'on a été plus vif du côté des joueurs d'Aguenau. Et on peut continuer à accélérer, mettre ce monde dans la boîte de réparation avec Solvay encore. Ça frôle le montant. Alexandre Bouchard est comme en première période. Aguenau qui se montre très dangereux sur la première opportunité de la seconde période. Autre qui sonne la charge. S'appuie sur Stéphane Dassé. Bien joué de trouver ici. C'est entre les lignes. Est-ce qu'il va tirer? Non, cette fois-ci, il préfère trouver Christian Toko. Yawara attentif qui met ce ballon en touche. Et en parlant d'avant-match, des 6 points d'avance entre Saint-Maur et la zone rouge. Une défaite ce soir compliquerait sérieusement la chose et transformerait ce qui pouvait sembler une belle éclaircie en situation beaucoup plus complexe. Sachant que pour l'instant Drancy prend un point. Grun. On reviendra sur le classement. On va suivre d'abord cette action avec Antoine Grun qui a été pris. La position de hors-jeu certainement. Ouh, il n'est pas signalé en position de hors-jeu. Solvay, après, il a été très loin de jouer le ballon. Il a été intelligent. Il était seulement resté à portée de course au cas où Bouchard se manquerait. Vigas qui domine son adversaire. Retrait pour Béziouen, le contrôle est bon, il n'y a personne sur le côté droit. Grun. Moudjema qui fait signe de jouer sur 6 et c'est chose faite maintenant. Il y a le dédoublement de Dassé, on va s'en servir. Le centre fort devant le but et Béziouen qui n'avait pas coupé, qui réclame une main. Mais là c'est compliqué de siffler le pénalty étant donné qu'il a dégagé, que le ballon a ripé sur son pied avant de toucher sa main. C'est donc bien un corner en faveur de Saint-Maur. Troisième côté gauche de cette seconde période. Avec cette fois-ci Damien Boudjema qui va s'en charger. Christophe Autrette qui a un peu manqué les deux précédents et qui préfère cette fois-ci laisser à son coéquipier. C'est parti au premier poteau. Il y a Béziouen qui dévie. Et finalement capté par Ebedo. Il va allonger vers Bekoé. On s'est bien parlé entre Grun et Dassé. Il reste 30 minutes à Saint-Maur pour essayer de faire la différence. Sachant donc que pour l'instant la réserve de Lille prend un point. Que Saint-Quentin également, Drancy également. Ça ferait 18 pour toutes ces équipes là qui sont des poursuivants directs de Saint-Maur. Shilty Game qui pour l'instant prend un point également. Ça serait une mauvaise opération pour les hommes de Bernard Bougère et surtout si jamais ils ne réussissaient pas à reprendre l'avantage. Ah, il y a position de hors-jeu là de Toko, à moins que ouais, l'alignement soit très mauvais, c'est, il me semblait bien. Et c'est Moustapha Cissé pardon, qui était parti. Et du coup, Shilty Game qui a pris un point, c'est officiel, vu qu'ils ont commencé le match à 16h, ils sont donc à 19 points. Aguenau qui reviendrait à un point de Saint-Maur avec cette victoire. Belfort qui, eux, sont menés de 0 contre Bastia. Ça donnerait un. Ça serait pas catastrophique, bien sûr, pas d'entrée dans la zone rouge et pas forcément à portée directe, mais on va dire que le matelas un peu confortable se transformerait en situation un petit peu gênante, un petit peu inconfortable.
Mais bien sûr, il reste encore du temps. Ah, bien joué Grun, qui s'est placé devant et qui a presque récupéré. Là, ça va être une faute. On sent un peu de nervosité quand même du côté de Saint-Maur, un peu de précipitation des fois. On veut trop bien faire, peut-être trop être décisif. Il faudra mettre un peu plus de calme et de bonne prise de décision. Avec le deuxième changement, sortie d'Antoine Grun, remplacé par Philippe Auclaïche, on va ajouter de la folie, de la percussion et de la vitesse. Et c'est Damien Boudjema qui va descendre au milieu de terrain. Là où Philippe Auclaïche va plus prendre un poste offensif et donc son pendant. Entrée. Numéro 11, Pipo. Voilà. On va voir donc un milieu de terrain avec Christophe Autret et Damien Boudjema. Philippe Auclaïche qui s'est placé pour l'instant sur le côté droit. Moustapha Cissé sur le côté gauche et l'attaque avec Béziouen et Toko. Autret. Dassé. Autret encore. Claige qui décroche, qui touche son premier ballon. Et qui revient avec Dassé. Salem. Bien joué. Guillaume Serre. Qui a gagné 5 mètres avec son contrôle. Et même si Claige bien serré. Qui ne peut pas se retourner. Bekoé. Oh, super intervention de Fred Salen dans son couloir et là il y a un coup à jouer. Ah, oh, Christian Toko Edimo qui a commencé un appel et qui ne l'a pas terminé. Évidemment au moment où Salem lève la tête, l'appel est là et au moment où il la baisse pour essayer de se concentrer sur sa passe, on a vu Christian Toko Edimo s'arrêter. C'est pas la première incompréhension de ce type. Et ça coûte beaucoup pour l'instant à Saint-Maur, même si Fred Salem qui s'est bien illustré encore une fois. Il y a Moustapha Cissé, il faut lui servir Moustapha Cissé, il a fait signe. Qui a été prêt à recevoir ce ballon parti dans le dos de Silla qui ne l'avait pas vu. Mais ça mord toujours avec le ballon. Alors, elle était pas bonne cette passe quoi qu'il arrive. De Stéphane Dassé, même si Cissé va se battre et récupérer finalement. Avec cette fois-ci Dassé qui doit s'appliquer à nouveau contré. Il va vouloir gagner la touche mais va surtout. Ouh, bien joué Christophe Autret. Accroché. Et le jeu qui se poursuit. Et Viegas, lui non plus qui ne fait pas dans la dentelle. Il laisse beaucoup jouer. Monsieur Giorgetti, tant mieux on va dire pour le rythme du match qui va profiter à Saint-Maur, ce rythme fou. À condition bien sûr d'être beaucoup plus précis. Ce qu'on ne cesse de répéter depuis le début de la seconde période, mais pour l'instant ce n'est toujours pas le cas. Claige. Avec l'appel de Farid Béziouen, s'il arrive à contrôler un petit peu fort. Il a seulement pu accompagner ce ballon du pied droit, de l'extérieur du pied, n'a pas réussi à le ralentir. Et on demande du côté d'Aguenaud être à la retombée du ballon, ça a été le cas, mais le second ballon il a été pour Christophe Autret et la suite est mal maîtrisée par Solvet, ce qui va donner à Autret l'opportunité de trouver Boudjema. Il y a le départ de Dassé sur le côté gauche. Il est servi mais il n'attaque pas son ballon. Stéphane Dassé. Beaucoup plus d'agressivité émise de la part de Silla. Boudjema. Il y a l'appel sur le côté droit de Fred Salem. On prend beaucoup trop de temps. Il faut être beaucoup plus rapide dans l'exécution. Là, on avait la possibilité de trouver Fred Salem sur le couloir qui était parti alors qu'on ne l'avait pas vu du côté d'Aguenaud. Et évidemment, le temps que on prenne ce relais par Guillaume Serre, il a été vu et cadré. Mais là, ça a été bien fait de l'autre côté avec Moustapha Cissé. Boudjema, il y a la solution au trait dans l'axe. On préfère insister sur ce côté gauche avec Dassé, le centre de Dassé, la tête de Toko. Pas assez puissant, mais c'est repoussé. Ça va revenir avec Fred Salem. Au trait. Il a fait un long détour pour éviter de retourner sans palais dans l'axe et qui sert Viegas. Dassé va laisser à Béziouen. C'est même Moustapha Cissé pardon, sur le côté gauche qui va gagner
Absolument rien, puisque c'est lui qui a touché ce ballon en dernier. Renvoi au 5 mètres 50. Toujours pas de tir cadré pour Saint-Maur en seconde période. Deux tirs seulement, Groun et Boudjema. Ah oui, il y a eu un gros contact là. Sur Christophe Autrette qui se relève. Est-ce qu'on va jouer ce coup franc? Il y a Vigas qui monte, il se propose sur le côté, il est servi. C'est joué rapidement. Avec Dacé, le centre contré. Silla qui dégage loin devant. Contrôle de traite qui sert Vigas. Et on va ressortir avec Guillaume Serre. Pas vraiment de solution entre les lignes pour lui, obligé de s'appuyer sur Salem. Kleish, il y a l'appel de Beziwen, n'est pas servi. Philippe Kleish qui rentre, ah, et c'est lui qui est obligé de faire le geste pour demander à ses attaquants de partir. Du coup forcément c'est lu par la défense qui a le temps de remonter. On a quand même réussi à trouver une possibilité intéressante et un excellent coup franc pour Saint-Maur. Avec Mustapha Cissé accroché. Là ça peut être très intéressant sur ce coup de pied arrêté. Pour Christophe Autrette. Alors qu'il reste 20 minutes dans ce match, ça serait le moment idéal pour essayer d'égaliser et tenter d'aller chercher quelque chose sur les 20 dernières minutes. Autrette qui va tenter directement! Ouh, ça va passer juste à côté du poteau des Bédo. Frayeur sur le but d'Aguenot. Mais toujours pas de tir cadré en seconde période pour Saint-Maur. Qui va commencer à devenir vraiment problématique alors qu'on va entrer dans 4 minutes dans le dernier quart d'heure. Et on est sur un schéma exactement pareil qu'en première période, on y reviendra parce que là, il y a Bekoé qui fait des siennes. Bon jaillissement de Walter Viegas, et là pourquoi pas, il y a quelque chose à jouer. Le contre avec Boudjema, il y a l'appel de 6 et sur le côté gauche, la passe qui est dans son dos. Et qui permet à Silla de revenir. Belle couverture de Boudjema, qui gagne la touche. Mais on le disait, c'est le schéma exactement identique à la première période. Avec Saint-Maur qui contrôle. Bon, il y a plus d'intensité, il y a plus de volonté d'aller vite vers l'avant. Mais c'est toujours imprécis. Et Aguenot, qui semble inoffensif, mais on sait que sur une seule accélération, ça peut faire la différence. D'autant plus que les joueurs de Saint-Maur sortent beaucoup plus, ce qui est tout à fait logique, pour essayer d'aller chercher cette égalisation. Si c'est Dacé. Autrette qui peut changer de côté, il y a Salem. Préfère passer par Guillaume Serre d'abord. Kleish qui a décroché. On va essayer de trouver Toko Edimou en sautant une ligne. C'est bien joué, il a réussi à se retourner mais il était en position de hors-jeu. Bien remonté de la part de Diawara. Qui va complètement être manqué. Et la touche pour Fred Salem. Avec Serre. Alors que clairement du côté de Aguenot, on laisse Walter Viegas et Guillaume Serre. Même Christophe Autrette quand il est trouvé en retrait. C'est vraiment la deuxième ligne de pressing qui s'active. Même si là le jaillissement justement de Walter Viegas qui n'a du coup pas été suivi. Le centre bien contrôlé, bien capté. Le but c'est vraiment de récupérer des ballons
lorsque Saint-Maur est en phase très offensive. Oh, cette relance elle est belle. Si on arrive à contrôler de la part de Diébou, c'est fait. Il y a du monde à la surface de réparation, le centre contré par Viegas, corner. On sent vraiment un gros danger dès qu'ils arrivent à s'emparer du ballon dans les 30 derniers mètres. Quatrième corner d'Aguenot. Deuxième côté droit. Et Rosenfelder qui va s'en charger. Bien sûr, comme vous pouvez l'entendre, il prend son temps. Rosenfelder, ça ne plaît pas du tout aux supporters du Stade Chéron. C'est joué rapidement. On va retrouver le latéral gauche. Il va complètement ressortir certainement parce que là il n'y a pas d'autre solution pour lui à moins qu'il essaie de jouer sur ce côté. C'est très bien fait avec Diébou. Il y a la solution en retrait. Ah, elle a passé un petit peu dans son dos et la frappe qui passe devant le but et surtout l'arrêt d'Alexandre Bouchard. Fallait pas se manquer là. Par le gardien qui sauve son équipe et qui la laisse dans le match. Grosse apathie défensive là des joueurs de Saint-Maur sur ce corner jouant en deux temps. Ils ont pu faire absolument ce qu'ils voulaient les joueurs d'Aguenot. Manque d'agressivité. Et la touche. Qui va être jouée par Rosenfelder. Est-ce que ça va être une longue touche? On essaie de mettre ce ballon dans la surface de réparation. Déviation. Manqué. De Salvet. Allez, Guillaume Serre qui tente de sonner la charge et il y a Boujima qui décroche. On préfère plutôt trouver Stéphane Nassé à ses côtés et chercher. Moustapha Cissé a voulu remiser vers Farid Beziouine un petit peu trop proche de lui. L'a passé dans son dos. Ouf, Vigas, il fallait pas se manquer sur ce jaillissement. Salva a été bien placé entre les lignes. Christophe Autrette qui est pris. Vigas. Avec Serre. Boujima. Ouh, attention à lui, bien parlé, bien crocheté, et Guillaume Serre qui peut accélérer. C'est trouvé Christian Toko Edimo, le contrôle est bon, le petit coup du sombrero, bon retour, mais ça a profité à Fred Salem. Salem qui est un petit peu pris, qui n'a pas vraiment de solution, surtout qu'il s'est mis au niveau de la ligne de touche. Il n'a pas vraiment de moyen de se sortir de là. Et bon retour de Philippe Okleish. Retraite. Dassé. Pas vraiment de solution pour lui si ce n'est Moustapha Cissé qui a fait un bon appel là dans le dos de la défense. Il est pour l'instant bien contrôlé. Est-ce qu'il va réussir à obtenir quelque chose? Il trouve Farid Beziouen. Contré. Touche pour Saint-Maur. Allez, c'est le moment de mettre un peu de folie dans ce match. Beziouen. Qui au lieu de ressortir a voulu insister sur le côté gauche. Ça a été bien serré. Ah, c'est bien joué ça avec Stéphane Dassé, mais il met un petit peu trop de temps à contrôler ce ballon qui était difficile. La touche, Farid Beziouen. Seul contre deux joueurs. Il a réussi quand même à se retourner, à centrer, et c'est capté par Ebedo. Qui va allonger alors qu'il n'y a toujours pas de changement fait. Du côté d'Aguenot. Les trois ont été réalisés par Bernard Bougère. Et bah, suffit que je le dise pour que le premier ait lieu. Changement pour Aguenot, sortie de recette. Avec donc la sortie. De Nuzurumba qui est remplacé par Metzger. Et seulement deux changements faits du côté de Saint-Maur et non pas trois. Mais attention à ce coup franc.
avec Scherrer qui la tente. Ça passe à côté du but d'Alexandre Bouchard. Kleisch qui va obtenir la touche. Pas grande solution là pour Fred Talem, si ce n'est Philippe Kleisch qui s'est bien déplacé. Vegas avec Serre. On retrouve Vigas, voilà, il y a un petit peu trop intermédiaire, il faudrait essayer de trouver directement Fred Salem pour faire complètement basculer ce bloc et au moins libérer de l'espace sur le côté gauche. Mais Salem qui s'est recentré, donc finalement je pense qu'on va insister sur ce côté gauche. Et on ressort finalement avec Guillaume Serre, voilà, là il faut aller plus vite, il faut aller plus vite dans les transitions. Salem qui est finalement trouvé avec un peu d'espace, il peut mettre ce ballon dans la boîte, il n'est pas vraiment assuré ce centre, beaucoup trop proche. Debedo qui peut s'en saisir facilement. Encore une fois, les intentions sont plutôt bonnes. Là, ça a été un petit peu lent. On s'y est pris à trois fois, mais on a réussi à trouver le bon circuit. Si ce centre est bon, un petit peu plus éloigné des 5m50, vraiment entre le point de pénalty et la ligne, c'est beaucoup plus difficile pour Rebedo d'aller le chercher. Il y avait Christian Tocquedimo qui pouvait couper. Dacé. On va chercher Mustapha Cissé qui a bien décroché, qui s'est bien dépensé là pour prendre ce ballon. Boudjema avec Kleisch. Il y a le dédoublement de Fred Salem qui est servi. Il y a Kleisch encore, il faut le trouver. Filippo Kleisch, c'est chose faite. Ah, le contrôle n'est pas vraiment dans le sens du jeu, mais il a réussi à se retourner, à accélérer. Il y a Autret, on va préférer y aller tout seul de la part de Filippo Kleisch et tenter sa chance. Le petit rebond juste avant la frappe qui fait qu'elle est complètement dévissée. C'est le 9ème tir pour Saint-Maur et seulement un seul cadré. Très compliqué la performance offensive. Et Bédo qui a eu un match très tranquille. Qui a vu beaucoup de ballons passer à côté, plus ou moins à côté. Il y a eu des situations plus dangereuses que d'autres. Mais globalement, il n'y a pas eu grand chose à faire le portier. Pourquoi pas maintenant lui donner du travail avec Christian Tocquedimo. On s'est bien repris et superbe intervention de Diawara. Rosenfelder. Et position d'hors-jeu de Salvette. Le buteur qui a fait son pas latéral un petit peu trop tard. C'est déjà pris par la bonne montée de Serre et Vigas. Et attention, ce centre il est pas mal là de la part de Stéphane Dacé. Le second ballon, est-ce qu'il va être pour Cissé? Non, est-ce qu'il va être pour un joueur de Saint-Maur surtout? C'est Christophe Autret qui a joué de son corps pour conserver ce ballon. Et Viegas qui monte. Dacé, est-ce qu'il va encore mettre ce ballon dans la boîte? Préfère revenir avec Walter Viegas. Il faut ressortir de là avec Christophe Autret. Et là, il y a un jeu à ouvrir sur Fred Salem. C'est chose faite et c'était encore une fois mal réalisé. Mais dans l'intention, c'est ça. Sauf que le problème, c'est que ce sont ces petits détails techniques qui font toute la différence entre un match nul, une défaite ou une victoire. Et là pour l'instant, c'est plutôt vers une défaite que les joueurs de Saint-Maur se dirigent à la 83ème minute de jeu. Pas de solution pour Christophe Autret, obligé de jouer avec Dacé à ses côtés. Bediwen va revenir avec Boudjema, Dacé. Il y a encore Salem peut-être à chercher sur le côté, surtout qu'il y a Philippe Auclèche à ses côtés. Le centre est contré, ça va profiter à Farid Bediwen qui met ce ballon dans la boîte, il y a du monde. Il y a surtout Silla qui dégage au premier poteau. Autret qui récupère avec Dacé. Viegas, il faudrait ouvrir le jeu là, plutôt jouer sur le côté droit où il y a Kleisch qu'on va chercher directement et le petit rebond et il est fait à l'intérieur qui profite à Ebedo. Il va allonger le portier alsacien. Tête de Fred Salem. Le second ballon par contre cette fois-ci il n'y a personne du côté rouge et on peut repartir sur le côté gauche avec Bekoé
qui va bien sûr prendre son temps et contrôler ce ballon. Revenir. Il y a une solution, il a tout son temps pour centrer et heureusement il n'est pas ajusté ce centre parce que le marquage n'était pas très serré. Attention à ce nouveau centre, Guillaume Serre qui ne prend pas de risque. Mais il m'a dit tout à l'heure qu'il n'a pas du tout été serré et Solvay qui était seul au second poteau. Ça va donner une nouvelle chance du côté d'Aguenau et surtout une nouvelle possibilité pour prendre tout son temps pour aller tirer le corner à la Farid Béziouen. Il va aller mettre ce ballon au point de corner et Intenoche qui lui par contre va un petit peu traîner pour y aller. Cinquième corner et le troisième côté gauche pour la patte droite d'Intenoche. Alors que le ballon n'est pas sur l'arc de cercle. Et en fait si. Corner qui est tiré au premier poteau, c'est repoussé par la tête de Christian Toko et Dimo, mais le ballon qui va revenir sur une ténoche. Ça c'est un ancien joueur de Villefranche qui a bien sûr essayé de gagner le maximum de temps possible, de gagner quelque chose. Il va obtenir la touche. Et Rosenfelder. Voilà joué. Farid Béziouen et Christophe Autrette qui viennent essayer d'annuler ce gain de temps. Mais là, c'est difficile d'aller les déloger Rosenfelder. Surtout ne pas commettre de faute, ça serait le pire. Et la touche qui va être longue pour le latéral gauche d'Aguenau. Finalement, elle était plus courte que prévu. Elle a surtout été manquée, la touche. Et attention là, à ne pas se chauffer. Non, Philippe Okleish, il faut laisser pour l'instant. C'était le joueur d'Aguenau qui était venu se chauffer tout seul et Philippe Okleish qui a complètement engrainé la chose. Là c'était un match, certes, peu intense mais très correct. Et là d'un seul coup, ça s'est chauffé entre les deux et là quelle va être la décision de l'arbitre de la rencontre parce que c'est... Ouais, Philippe Okleish. Ouais, ça va être le rouge. Rouge pour les deux joueurs. Dans un match absolument correct et dans un très bon état d'esprit. Absolument rien ne justifiait cette subite montée d'agressivité d'un côté comme de l'autre. Et Philippe Okleish. Et le joueur d'Aguenau exclu. On va vous dire qui c'est dans quelques instants. Ouais, c'est Bécoé. Pour des gestes d'humeur qui n'a absolument rien à faire là et qui en plus même dans le contexte sont absolument sortis de nulle part. Et à la 88e minute donc, à 87e, les deux équipes qui se retrouvent à 10 contre 10. C'est vraiment les cartons stupides. On avait les cartons jaunes bêtes et ben on a maintenant les cartons rouges complètement idiots. Et ça va commencer à devenir vraiment problématique du côté de Saint-Maur parce que les cartons rouges ça arrive très beaucoup trop fréquemment pour les Gitanos. C'est déjà si je ne me trompe pas, le 11e de la saison. En tout cas, au moins le 10e. Et il me semble que contre Lens, il y a également un exclu qui porte ce total à beaucoup trop élevé. Allez, revenir au jeu. Avec donc cette touche pour Saint-Maur. C'est parti d'une fausse touche, enfin c'est invraisemblable.
Le jeu qui va reprendre. Par cette touche donc pour Fred Salem. Les deux équipes à 10 contre 10. Et la touche récupérée par Madini. Solvay. Madini encore. Ouais, il a pris ce ballon en pleine tête. Il n'a pas réussi à le contrôler du nez. Et le long ballon en direction de Mustapha Cissé qui est en position de hors-jeu. Mais il y a Farid Beziwel qui va accélérer, aller très vite pour obliger à une intervention rapide et une intervention manquée surtout parce que Toko qui a pu accélérer, trouver ce ballon. Il va se servir de sa puissance physique pour essayer de gagner quelque chose et ressortir ce ballon avec Autrette. Viegas, là c'est bien fait ce qu'il vient de faire Autrette plutôt que de passer par Serre, trouver directement Viegas pour changer de côté avec Salem. C'était Stéphane Dassé, pardon, Salem qui est de l'autre côté, le centre de Stéphane Dassé, personne au second poteau. On va entrer dans quelques instants dans le temps additionnel, voilà c'est fait. Qui devrait être de 3 ou 4 minutes au vu de l'important arrêt de jeu qui a généré l'exclusion. En plus des pour l'instant 4 changements qui ont eu lieu. Salem. Viegas. Agdassé. Biziwen. Serre. Temps additionnel 6 minutes minimum. Il sera donc de 6 minutes ce temps additionnel. 6 minutes pour espérer quelque chose du côté de Saman. Et pourquoi pas dès maintenant avec Viegas au centre. La remise de Cissé. Personne pour couper. On n'y a pas cru là du côté de Saman. Et Boudjema qui rate son contrôle. Il a réussi toutefois à trouver Guillaume Serre. Il y a Salem sur le côté droit. Servi et trop facilement lu par Solvay qui peut accélérer. Et il va utiliser sa puissance physique. Solvay mettre ce ballon dans la boîte. Ouh, heureusement. Heureusement qu'il est pas assez ajusté ce centre parce que Madini qui s'était très bien placé encore une fois entre les deux centraux. Et Serre qui peut longer vers Mustapha Cissé. Là aussi il y a quelque chose à faire. C'est Farid Beziwen, pardon, qui a réussi à empêcher que ce ballon ne sorte. Mettre ce ballon en direction de Toko Edimo. C'est contré et dégagé par Scherrer. Autrette. Le contrôle est réussi en deux temps. Dassé. Autrette encore. Il va mettre ce ballon dans la boîte et va plutôt servir Guillaume Serre. Il y a Boudjema à ses côtés. Guillaume Serre qui va tenter sa chance. C'est complètement manqué. Et il s'est fait mal. Il s'est fait mal à Guillaume Serre. Fin de match extrêmement compliqué pour Saint-Maur qui en plus de ne pas trouver les solutions a perdu Philippe Auclaich et inquiet pour son défenseur central. Et Farid Beziwen qui fait le signe de changement mais il me semble qu'il reste un changement et du côté de Saint-Maur voilà, on demande un joueur de revenir, il ne pourra pas reprendre Guillaume Serre. Ah, il demande le changement. Lui à son tour. Très compliqué. Très très compliqué cette fin de match. Et ce match en intégralité d'ailleurs du côté de Lusitanos. Qui n'ont jamais réussi à vraiment créer quelque chose. À inquiéter Haguenau. Et Guillaume Serre porté par deux coéquipiers. Qui va sortir donc. Il me semble que c'est Michael Gnaouré qui va le remplacer. J'arrive pas à bien voir de là. Ah, c'est bien ça. Donc la sortie de Guillaume Serre remplacé par Michael Gnaouré. 90 plus 3. Il reste un poil plus de 3 minutes dans le temps additionnel qui sera peut-être un petit peu rallongé au vu de ce changement.
de le remporter par 6. Et le second ballon, il est cette fois-ci bleu. Appel dans le dos de Madini qui est bien pris pour l'instant par Fred Salem qui commet la faute. C'était même Metzger. Et Alexandre Bouchard qui va jouer sous coup franc. Certainement le mettre dans la boîte. Demande à Walter Viegas de monter également. Et Bouchard qui allonge donc vers personne. Tout le monde s'est écarté de la trajectoire du ballon pour proposer une solution, sauf que personne n'est retombé. Et Gnaoré et Serre qui se sont gênés. Et Autrette, pardon, qui se sont gênés. Et ça profite au joueur d'Aguenot, même si la passe de Solvay n'est pas appliquée. Et Viegas qui va intervenir devant devant une ténoche. Moins de 2 minutes à jouer dans le temps additionnel minimum de cette seconde période. La touche, elle est pour Aguenot. Et Sylla avec une ténoche. Mais ce ballon dans la boîte. Alors ça semblait un petit peu sûr de gagner du temps, sauf que il aurait suffi que Solvay soit un petit peu plus prompt, parce qu'il était pas mauvais ce centre finalement. Et Bouchard qui va encore allonger. Fred Salem, allez chercher quelque chose, pourquoi pas. Il n'y a pas de solution là, tout le monde s'attendait au centre, sauf que personne n'est venu l'aider. Et Fred Salem qui se met sur son mauvais pied, qui rate complètement son centre. Gnaoré avec Dassé. Autrette qui lui est sur le bon pied, peut centrer, c'est contré. Sylla qui dégage. Ça va revenir sur Stéphane Dassé. Viegas qui va aller se placer dans la surface de réparation. Gnaoré, premier ballon. Et premier ballon en touche. Alors qu'on approche de plus en plus de la fin de la rencontre. Toujours pas d'opportunité sur le but pour Saint-Maur. Beaucoup trop d'imprécision pour espérer pour l'instant quoi que ce soit. Mais il en suffit d'une. Il y en aura une dernière, peut-être. Suffira. Il s'agira de ne pas la rater. Salem. Allez. Allonge. Vers Mustapha Cissé, la tête de Sylla. Le second ballon, il est pour Autrette. Allez. C'est maintenant qu'il faut y faire quelque chose. Trouver un match nul qui serait miraculeux. Le centre d'Autrette. C'est repoussé par Scherer. Ça revient sur Michael Gnaoré. Le contrôle est manqué et il n'y aura pas d'autres possibilités pour les joueurs de Saint-Maur. Beaucoup trop imprécis, beaucoup trop patient peut-être, un petit peu en difficulté, qui n'ont jamais réussi à mettre en difficulté cette équipe d'Aguenot finalement en seconde période. Et Aguenot qui a parfaitement joué son coup après Sainte-Geneviève, marqué dès la 5ème minute par une première alerte sur le but d'Alexandre Bouchard. Et il y a eu ce but donc à la 38ème minute de Solvay, que les joueurs de Saint-Maur n'ont jamais réussi à remonter, n'ont jamais réussi à proposer quoi que ce soit de vraiment inquiétant sur la cage d'Aguenot. Et qui voit donc son adversaire du soir revenir à un petit point. Ça se complique un petit peu. Alors bien sûr, rien n'est rarement toujours au niveau du classement. On va dire qu'il faudra un peu plus faire attention à ce qui se passe derrière du côté de Saint-Maur. En tout cas, merci à tous et à toutes de nous avoir suivis pour ce match. 20ème journée de National 2, même s'il ne s'est pas passé comme prévu, on se retrouve sur le Gitanos TV. C'est le 14 mars prochain avec la réception de l'ASM Belfort. Merci à tous de nous avoir suivis et donc on vous souhaite une bonne soirée sur le Gitanos TV. A bientôt.